les plaques non. dessus, les plaques elles sont restées pareilles. Hein. Non, mais moi j'arrive pas à avoir le fichier de mon fichier. C'est pas un fichier, c'est pas mon fichier de voiture qui apparaît dedans quand je mets le truc là qu'il y a sur une Kunun Cheat là. J'ai dû faire un truc pas correctement. Ah si, parce que moi au début j'avais que le 0 qui apparaissait. Et justement je me suis fait chier à recopier tout le code source du machin et à le refaire un fichier propre. Et là ça a fonctionné donc. Mais au début moi j'avais que le 0, j'avais même pas mes véhicules. Mais ça. Ouais moi j'ai que le 0. Ah. Au début. Oh, c'est du mapache. Ouais, c'est le troisième. Et puis je suis avec le nouveau. C'est bizarre parce que c'est Versita, le truc qui a écrit 0, c'est que. Ouais, pourquoi pour moi ça a marché? Bah, je vais voir, j'essaie de recopier le code qu'il y a sur le site, puis de changer, je vais voir si c'est ça. Bah, il y a un mec qui avait mis la mise à jour du code. Alors, moi j'ai pas recopié exactement son code parce qu'il y a des trucs en haut qui. Enfin, je sais pas, ça fonctionnait pas, j'avais le 0 aussi. Du coup j'ai fait un mix de l'ancien, le nouveau et du début de code de Notepad. Parce qu'il faut le faire avec Notepad et Notepad, le début de code n'est pas le même que le leur. Et quand j'ai fait ça, avec le début de code de Notepad, ça a fonctionné. Donc j'ai fait un mix de trois codages. Je t'ai dit, ça, je me suis pris la tête pendant 2 ou 3 heures là-dessus. Ça voulait pas fonctionner non plus. Mais... Je verrai ça demain un peu plus tard. Ben, c'est bizarre parce que Medved ce matin il m'a demandé, celui qui copie les maps là, il m'a dit il y a moyen de faire ça pour mettre les pneus à faible adhérence sur tous les véhicules. Et je lui ai dit j'en sais rien, je lui ai dit faut essayer, mais j'ai pas essayé ça. Donc pour lui apparemment ça fonctionne. Mais j'ai pas demandé. Enfin on m'a pas dit si ça fonctionnait ou pas en fait. Site t'as regardé où? Pas sur une Kunun Cheat là. Et qu'à Killion. Je sais pas, moi hier ça a marché, ils ont peut-être fait une mise à jour encore, je sais pas. Teste un nouveau script, voir ce que ça donne. Il y a un mec sur Guilded qui demande le script Phoenix.
Alors tout à l'heure j'ai demandé à Smiley s'il avait accès au Discord, il m'a dit que oui, je lui ai demandé s'il y avait des nouveaux Lua ou pas, il m'a dit que oui, qu'il y en avait plein, j'ai dit bah y'a quoi? Il m'a pas spécialement répondu, donc je ne sais pas s'il y a des nouveaux ou pas. Par contre il m'a envoyé le Discord de Phoenix. Il m'a dit tiens ça c'est le Discord du Lua Phoenix. Il a l'air de regrouper plusieurs choses, je l'ai en favori, mais j'ai pas encore téléchargé ni essayé. Parce que moi j'ai plus accès au Discord, alors et le mec il, apparemment il est dans la même situation que moi parce qu'il demande le lien de téléchargement sur Guilded et il y a un mec qui lui a envoyé le lien d'invitation Discord et il lui a dit non mais moi je veux le lien de téléchargement, donc il doit être dans la même situation que moi. Et du coup ouais on n'a pas accès à tous les scripts. Ça non, casse les couilles. Ouais mais moi je peux pas le savoir, c'est grâce au mec que j'ai su qu'il y en avait un nouveau. Parce que d'habitude, avant je regardais dans les scripts s'il n'y avait pas des nouveautés, les vêtements modés, si je jetais un œil de temps en temps, mais bah là je peux pas. Ouais c'est emmerdant, ouais c'est emmerdant. Oh, je t'ai plus accès à rien. Ah non. Et puis toi tu dis rien, alors je peux pas le savoir. Tu me demandes pas. Ah bah je sais pas, il y a des nouveautés, parle-en. Bah non, mais je crois qu'on prenne 5 minutes à... Ouais, je l'ai vu, Phoenix Script. Un peu que t'en parles, ça me dit quelque chose. Ah, il y a un script qui s'appelle Lazo Script, c'est celui que j'ai, tu sais, pour les couleurs. Voilà. Ah, ça, je m'en fous, j'ai... Merde. De toute façon ça reste pas parce que Joker il a testé avec nos shoots et parce que je lui ai envoyé le lien, je lui ai dit tiens si tu veux les roues F1 tout ça pour toi qui cherches à faire les roues bénies nanani nanana, il m'a dit non mais c'est pas un problème, Joker il arrive à me les faire mais il me dit la couleur elle reste pas, donc t'as beau mettre telle ou telle couleur, si ça reste pas ça sert à rien ton script au final, parce que moi je peux le mettre avec menu les couleurs, c'est pas un problème. Et si ça reste pas quand tu retournes dans l'éditeur et que tu reviens, je vois pas trop l'intérêt de te faire chier à mettre une couleur. Télécharger lequel de fichier, celui que j'ai mis dans le lien de la vidéo? Ouais. C'est pas normal, hein, parce que moi ça marchait, je sais pas, ils ont peut-être fait une mise à jour. Regardez. Parce que celui qui est en téléchargement sur le site, moi il fonctionnait pas. Le mec qui disait de copier-coller, il y a un mec en dernière page qui disait de copier-coller ce code-là et de faire majuscule tab dans Notepad. Sauf que quand je faisais ça, j'avais un code d'erreur et le truc ne marchait pas. Donc j'ai créé un nouveau fichier complet et j'ai laissé le avec Notepad et j'ai laissé l'entête de Notepad qui n'est pas la même que leur entête. C'est un autre code qui est à jour par rapport à la mise à jour de Notepad ou de je sais pas quoi. Et là ça a fonctionné. Donc